Nous allons voir comment nous pouvons partager, comment nous pouvons localiser une personne grâce à son numéro de téléphone. Alors, pour pouvoir ce faire, nous allons donc nous rendre sur notre application Map comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur Map. Ensuite, arrivé sur Map, nous allons ensuite cliquer sur notre icône de profil tout en haut à droite. Après avoir cliqué sur l'icône de profil, nous allons donc voir apparaître ces options ici. Ici, tout ce que nous aurons à faire, c'est de cliquer sur Partage de position. Nous allons donc avoir arrivé ici. Ici, nous allons cliquer sur Partager ma position. Nous allons ensuite patienter. Nous allons donc arriver ici. Ici, nous allons donc pouvoir choisir pendant combien d'heures nous voulons partager notre position ou tout simplement cliquer sur jusqu'à la désactivation. Donc, cela fera que c'est lorsque nous allons désactiver notre. Cela que notre position sera donc arrêtée d'être partagée. Donc après avoir fait cela, maintenant, nous allons tout simplement sélectionner la personne avec qui nous voulons partager notre position. Donc supposons que celui-ci, par exemple. Après avoir fait cela, nous allons cliquer sur partager. Donc là, nous allons cliquer sur partager. Nous allons ensuite patienter. Nous allons ensuite patienter le chargement. Et maintenant, après avoir fait cela maintenant et que notre position est activée dans notre téléphone, donc nous allons cliquer sur autoriser. Nous allons donc voir maintenant que nous allons d'abord accéder aux paramètres pour pouvoir accepter le partage de position avec Map. Donc voilà, nous allons cliquer sur toujours autoriser. Nous allons ensuite retourner en arrière. Et après avoir fait cela, maintenant nous allons voir que notre position sera donc partagée avec cette personne. Donc voilà, c'est aussi simple que ça et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile.